tous, bon, on va partir pour faire un petit live avec Prodibio. Donc je vais tout de suite inviter Prodibio. Hop, j'ai vu que c'est déjà là. Hop, ajouter. Salut à tous, salut Gaëtan. Salut. Salut Bruno, salut Christophe. Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend bien, c'est bon. Bon, bah, nickel. Bon, je vais présenter Bruno, qui est commercial chez Prodibio. Il y a Christophe, qui est le chef de production. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, on va attendre. Du coup, il y a un petit peu de monde qui va arriver. Après, j'avais pas mal de petites questions à vous proposer que j'avais eues sur le groupe. Juste de parler de Prodibio, j'ai vu que c'était, ça a été créé en 98, si je dis pas de bêtises. Ouais, de mémoire, c'était à Lyon, racheté en 2006 à Marseille. Tout à fait. J'ai vu que vous exportiez beaucoup, aussi beaucoup de produits dans plusieurs continents. Tout à fait, oui. Comment ? Ça c'est au corps à parler, mais... c'est ça. Sur les 5 continents, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Beaucoup pour la Chine. Mais beaucoup pour la bon Chine. Marché. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui sont étonnés, qui pensaient que c'est vraiment que en France ou. On ne s'arrête pas à la France, hein, c'est clair. On est vraiment une exportation mondiale. Hein. Ah, ok. En tout cas, bah, je remercie à tous les deux d'être venus là sur le groupe pour venir répondre aux questions qui vont être proposées. On m'a dû envoyer pas mal. Hein. Tu vois, j'ai reçu, je ne sais pas si j'ai les papiers là, mais. Ouais. Il y a des questions. J'en ai eu en plus déjà. Il y a de quoi c'est faire. Bien. Bon. Ouais, du coup. Bon, après les gens, j'aurais dit qu'ils viennent en même temps. S'ils ont des questions en direct, on va prendre en même temps. C'est Didier. Et puis j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. C'est vrai que du coup, on a fait ça sur 20h30. Bon, après les gens, de toute façon, ils regarderont en replay. Vous pouvez partager, hein, parce que j'ai mis sur la page. Je vais voir avec Benjamin si tu peux me mettre le lien de Prodibio, comme ça les gens peuvent se connecter aussi. Puis on va partager aussi sur la page à Prodibio, vous avez une page aussi. Hein. Oui, c'est Fabien, la personne qui s'occupe de la communication, il est là, il va faire ça en même temps que vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Salut Patrick. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous les mettez en commentaire. Moi je les redirai à Bruno et à Christophe. Après, moi, du coup, on va commencer doucement. Ça y est, là, j'ai eu déjà le lien pour Prodibio. Ça, c'est parti. Donc, ça, c'est le site où il y a tout ce qui est produit. Puis, vous avez pas mal d'explications. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions-réponses aussi. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, sur le site, hein, de Prodibio. Il est bien complet. Ouais, en plus, c'est ce que quand on s'était vu la dernière fois sur la dernière animation, c'est ce que je dis. On a un petit livret fiche technique qu'on distribue de plus en plus en magasin pour que les gens puissent s'approprier un petit peu tout ça parce que c'est des fois pas évident avec. On a une gamme eau douce et une gamme eau de mer. Donc la gamme eau de mer, je ne dis pas qu'elle débute, mais voilà, on commence à plus communiquer un petit peu dessus. Et du coup, le fait d'avoir fait quelques animations, et avec toi, par ailleurs, on en a déjà fait deux, mais il y a pas mal de questions qui reviennent, plutôt à peu près sur certains produits, comme les nourritures, au niveau des écumeurs, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait bien de pouvoir en parler en direct pour que ça désinhibe certains produits et que les gens aient envie d'avancer un petit peu sur la marque. Ouais, mais c'est sûr parce que toi, même au niveau, moi j'ai même pas pensé à aller après sur le site. Hein. Ouais, mais après, c'est vrai que t'as plein de questions, t'as plein de réponses. Hein. C'est vrai que il est complet, quoi, le site. C'est vrai que les gens, ils y pensent pas. Donc là, bon, ça va être sur le groupe, ça va être revu en replay. Après, on mettra sur la chaîne. Parce que tu sais, on met sur la chaîne, c'est juste pour que le contenu soit pas en sous-vli sous Facebook. Parce que après, quand on fait les lives, fur et à mesure, après, c'est en sous-vli. Les gens, comme ça, quand ils veulent retrouver, ils peuvent retrouver sur la chaîne en même temps. Pareil, là, ton petit calepin, j'avais mis sur Facebook. J'ai pris des photos parce que c'est super intéressant. Ouais. Du coup, j'avais mis sur le groupe. Salut Eric. Donc, du coup, on va commencer par des petites questions. Qu'est-ce que j'avais du coup, c'est vrai que l'image allait bien. J'ai même pas fait un retour sur le son. Vas-y. Mais a priori, on nous l'aurait déjà dit. Hein. S'il y aurait un problème de son, je pense que j'aurais déjà eu des retours. Je vais juste demander à Benjamin. Ouais, j'entends. Ouais, juste un petit décalage entre l'image et le son. Ouais. D'accord. Bon, après, c'est pas bien grave. C'est vrai que je vous entends bien quand même, quoi. On m'entend mieux.
Ouais, après, ouais, toi, on me renvoie, ouais, top, image, le son. Et pareil, Benjamin, si tu peux partager du coup sur le lien que tu as mis de Prodibio, comme ça, c'est bon. Bon, bah du coup, on va commencer par les petites questions. On va aller Vas-y, dans le vif du sujet. Et après, on parlera des nouveautés. Et puis, il y a pas mal de questions aussi qui sont revenues après sur le sel, enfin des choses comme ça. Le sable, sur le sable. On peut peut-être déjà même commencer par ça. On me demandait où on était. Attends, c'est où que j'avais cette question-là? Tac, 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 tac. Bon, je vais les prendre dans l'ordre, ce sera mieux. Parce qu'en plus, j'avais fait un truc. Enfin, j'avais la première question, toi, c'était quelles sont les différences produits que vous a proposé et quelles sont leurs différences? différence produit, ben, c'est-à-dire que nous on fait tout ce qui est sur l'eau de mer, on va faire tout ce qui est Ouais. on a des kits sur lesquels on peut faire du démarrage à l'entretien. Ouais. Après, on a plusieurs tailles d'ampoule aussi en fonction des bacs. C'est ça aussi que les gens ne voient pas tout le temps dans la réalité dans les magasins. On a des ampoules, même des grosses ampoules pour les bacs au-delà de 800 litres, ce qui évite de casser 50 millions de petites ampoules. Il y a des grandes ampoules qui sont faites pour les gros bacs en pro, que ce soit le Ouais. biodigeste ou la source de carbone qui est bioptime, nourriture et les nutriments. Et ça, souvent, les gens l'oublient. Ouais. Maintenant, on se diversifie parce qu'effectivement, on a fait de l'aragonite. Donc, en 4 granulométrie. L'avantage qu'on a par rapport à d'autres aragonites du marché, c'est que l'aragonite par elle-même, la base est la même, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas 50 millions de sites de récolte d'aragonite. Mais par contre, nous, on a créé, en fin de compte, au sein de Prodibio, les bactéries spécifiques pour le sol de l'aragonite, pour le rendre, entre guillemets, de faire du sable, comme on appelait avant, comme du sable vivant, en fin de compte. Pour que le sable, D'accord. les bactéries viennent dedans et lui permettent de vivre. Après, les Ah souches ouais, c'est ça bactériennes qui comme. sont utilisées pour ça. Si vous voulez développer dessus, on pourra, mais pour l'instant, schématiquement, c'est pour, voilà. C'est comme le sel. Le sel, la particularité de Prodibio, c'est que c'est un sel. Maintenant, on va avoir deux types de sel, un avec un cache un petit peu élevé pour tout ce qui va être bac, récifaux, pur et dur, avec du SPS, du LPS, enfin voilà, vraiment des trucs, même des gros bacs à Acropora, et on va faire un low cache avec un cache un petit peu plus bas, puisqu'on sait très bien que sur du mou ou sur d'autres types de coraux, même du Fichoni, on n'a pas besoin de ces paramètres de cache assez élevés. Donc là, on va partir sur un sel un petit peu moins enrichi. Et le principe toujours, parce qu'à la base, ben, au Prodibio, on a quand même un historique au niveau de la bactérie. On fait des bactéries probiotiques qui sont dans des ampoules et qui sont offertes dans chaque seau. Ce qui veut dire que voilà, la petite différence qu'on peut avoir des fois, les gens peuvent dire, oui, mais votre sel il est un tout petit peu plus cher. Non, c'est parce qu'en fin de compte, nous, à l'intérieur, à chaque fois, on met des probiotiques et elles ne sont pas intégrées dans le sel, puisque le sel, c'est quand même un peu abrasif, comme certains autres peuvent le faire. Nous, on a vraiment des ampoules. Une ampoule pour 50 litres à casser. Et du coup, à chaque fois que vous faites un changement d'eau, ben, vous rajoutez des choses bactériennes dans le bac. Ce qui peut éviter, je ne dis pas que ça les évite à 100%, mais ce qui peut éviter, des fois certains disent que quand on fait un changement d'eau et que le sel est un peu trop riche, on peut avoir des cyanobactéries, des choses comme ça. Du fait de rajouter aussi bien dans le sol que dans le sel des souches de bactéries complètement différentes, ça va permettre à cette bactérie qui est un peu invasive, ben, de perdre du terrain et de diminuer un petit peu. Voilà. Ah, ok, ouais, c'est vrai que vous avez différentes ampoules pour différents volumes. Je sais que vous faites aussi tout ce qui est aquarium public. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que les Donc gens là, ne regarde, savent pas clairement, toujours ça, quoi. Ouais. là, regarde. Bon, c'est ça, sûr qu'il ne se voit pas, c'est du direct, là. On va Elle est quoi? Ah, mais bah, c'est pas c'est compliqué. bien enveloppé, hein. Vous mangez pas vos ongles et vous allez avoir une boîte. Donc toujours le même principe, tu vois, regarde, toi, les ampoules, c'est pas la même taille Ouais. que celle qu'on trouve d'habitude. Là, c'est du pro. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous la voyez un petit peu, là. Ouais, Donc on toujours avec voit, ouais. le petit cône pour la casser. Et ça, c'est vraiment Ouais. pour du gros bac. Tu vois. Moi, dans mon bac de 750 litres à la maison, je ne m'amuse pas à casser des petites ampoules comme celle-là. Je pète directement des ampoules comme ça. Et vous avez les mêmes en nourriture. Et vous avez même un kit qui est là, celui-là, où on a mis les deux. C'est-à-dire qu'on a mis le biodigeste et le bioptime. Le bioptime, c'est juste la nourriture des bactéries. D'accord? Les bactéries, on Parce est que quand vous d'accord, ouais. cassez des bactéries, tes bactéries, en fin de compte, dedans, quand tu les lâches dans l'aquarium, si tu mets que le biodigeste seul, il y en a qui vont avoir tendance à pas trouver leur Ouais. nourriture tout de suite. Et certaines souches qui risquent de mourir assez rapidement. Alors que si on met les nutriments et cette source de carbone qui est là, et bien effectivement, je ne dis pas que la totalité va survivre dans le milieu, mais voilà, l'effet optimal, ce serait de mettre les deux En même et de temps. leur apporter justement cette source qu'elles ont besoin quand elles démarrent. Parce que là, elles sont en endormissement, elles sont en latence là-dedans. Ça, Christophe pourra en parler un peu plus, puisque lui, il sait, c'est lui qui les fait, hein. Enfin, qui les fait, Ouais. qui les fait vivre et qui les met là-dedans après. Mais voilà, pour ça que la jonction des deux est souvent, mais on a tendance à dire, on met la bactérie, mais On la nourrit source de pas. nutriments, elle est là. Si on ne les met pas forcément, si elle ne trouve pas tout de suite ses nutriments, mais il y a certaines souches qui vont mourir.
Et ça, si vous voulez, il peut vous expliquer En ça plus en fait, détail. moi, ce que j'aime bien donner comme image, c'est que, donc, comme l'a dit Bruno, dans l'ampoule, il n'y a pas d'oxygène, les bactéries sont en dormance. Donc, quand on va Ouais. casser l'ampoule dans l'eau, bon, les bactéries vont se réveiller en contact avec l'oxygène dissous, etc. Elles vont se réveiller. Et comme tout être qui se réveille, comme nous, par exemple, le matin, la première des choses, enfin, une des premières choses que la plupart des gens font, c'est de prendre un petit déjeuner. Donc, en fait, le Bioptime, moi, j'aime bien le comparer au petit déjeuner. C'est pas vraiment c'est une source de nutriments, c'est un effet starter, un effet booster pour les réveiller, parce que quand elles se réveillent, elles ont la fringale, quoi. Donc, c'est vraiment le coup de fouet qui leur permet de repartir. Ouais, mais vous avez un kit avec les deux dedans, hein. Je sais plus, c'est le... Celui-ci, Ouais. Bioclean. Le Bioclean. Voilà, Bioclean ou de... Voilà, On voit là. c'est ça. Ouais, on Ouais. voit à l'envers du coup. Ouais, avec la Ah, fringale. Ouais, Bioclean, ouais. Bioclean, Ouais, avec l'écran du coup, mais c'est c'est ça, autre c'est chose. Il Bioclean. existe en gros gros trucs comme ça, il existe effectivement en petit. Hein. Ouais. Et du coup, il y a les deux dedans, quoi. Il y a les Oh, tout à fait. bactéries et la source de carbone. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est ça. Hop! Bon, bah. Je pense avant de me demander où on peut trouver les grandes ampoules. Parce que j'en ai qui ont des gros bacs. Il y en a un qui a un bac de 1200 litres. Alors, pour l'instant, on peut les avoir sur commande dans pas mal de magasins, mais Ouais. ils n'ont pas forcément. Pour pas le citer, il y avait la baleine blanche qui en avait à une époque Ouais. en stock au magasin, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Dans certains botaniques, on peut les trouver aussi. D'accord. Sur la région parisienne, je parle pour l'instant. Hein, Ouais. sinon, après, malheureusement, on est vraiment en développement sur le nombre de magasins qui peuvent les stocker, qui peuvent les avoir. Sinon, après, il y a beaucoup de boutiques comme Zontus sur le net ou des boutiques comme ça qui, eux, qui les ont en stock. Les VP6 l'ont D'accord, plus ok. souvent en stock Ouais. que les magasins. Ah, en VP6, tu trouves aussi, du Mais coup. ça, on est en train de développer le réseau, donc ça va arriver. Ça va arriver. Ok, en même temps, on me demandait aussi combien de temps se gardent les produits. Alors, en fait, de la façon dont on fabrique nos produits et surtout de la façon dont on les conditionne, il n'y a pas de date de péremption pour les produits. C'est-à-dire que, par exemple, cette ampoule, si je la percute dans 2, 3 ou 4 ans, elle est toujours efficace. Toujours Ça, c'est dû au efficace. fait que dans... Pardon? Ouais, ça reste efficace, du coup, plusieurs années. Efficace. Alors, ça reste efficace plusieurs années. Nos produits ne sont pas à mettre au frais. Alors, il faut Ah, éviter c'est pratique. le gel, il faut éviter les températures supérieures à 40 ou 50 degrés, de cet Ok. ordre-là. Mais les produits sont tout à fait, se conservent très bien à température ambiante, plusieurs années. Et ça, c'est dû au fait que l'ampoule étant en verre, elle est totalement imperméable à l'oxygène de l'air et à son effet oxydatif. Et comme il n'y a pas d'oxygène dans l'ampoule, les produits sont stockés sous atmosphère inerte protectrice. Il n'y a pas d'oxydation des produits. Donc en fait, les D'accord. produits restent Ouais. efficaces plusieurs années. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de date de péremption sur nos boîtes d'ampoule. Ah, j'ai jamais fait attention. Ah, du coup, il n'y a pas de date de présence. J'ai jamais fait Il n'y a attention, pas quoi. de date de péremption sur les ampoules. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. On marque combien? Hop. Comment est née la marque, on m'a demandé. Ah, la marque. Alors là, la Ouais, parce marque. que c'est question piège. Ben non, en fait, c'est une société qui a été rachetée en 2006, dont la marque existait. Ouais. Comment elle a été créée, c'est une question à laquelle moi, personnellement, je ne peux pas répondre, Ouais, il y avait parce que ça du coup, j'ai je ne sais pris. pas. Ouais, je sais pas, ouais. Bon, après, je l'ai passé parce qu'on me l'avait demandé. Quelle est la philosophie de la marque en termes de maintenance? Alors, en termes de C'est un maintenance, peu. Ouais. c'est-à-dire... Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'on a parlé avant. C'est un peu ce que tu as expliqué. Tu sais, avec la source de carbone, ce qu'on a discuté de mettre là avec En fait, le. Ouais. Vas-y. nous, on considère, comme la plupart des aquariophiles, qu'il y a deux phases quand on crée un aquarium. Il y a le lancement et l'entretien, donc la maintenance, on va dire, Ouais. qui comprend ben, l'entretien régulier avec les changements d'eau, etc. Donc, il y a tout un protocole qui est donné pour le démarrage et ensuite...
La L'entretien. Ouais. posologie classique, c'est en fonction de la taille de l'aquarium, c'est une ampoule tous les 15 jours ou à chaque changement d'eau. Voilà à peu Ouais. près quelle est la Ouais, c'est ce que philosophie. vous conseillez, quoi. Voilà. Et pareil pour les bactéries, pour les Du nourritures, coup. n'oubliez pas d'éteindre les écureuils. Ouais, alors ça au niveau ouais, ça revient tout le temps. Oui. Et attends, excuse-moi, du coup j'avais un truc qui est apparu. On me disait, bah, t'as vu, on a eu sur plusieurs boutiques, ils disent qu'ils éteignent l'écumeur et puis au bout de. Enfin, l'écumeur il déborde même le lendemain. Alors là, c'est peut-être qu'il y a eu un surdosage. Ouais, ça peut être un dû à un surdosage. Ça Parce que c'est peut avec être. les Reef Booster, c'est ça? Booster et peut-être Coral et Coral Vitz aussi. L'idéal, c'est de Ouais. nourrir le soir, Ouais. de percuter les ampoules le soir, d'éteindre l'écumeur et de ne le rallumer que le lendemain matin. En respectant, D'accord. bien Ouais. sûr, en adaptant la quantité de produit à la taille de son bac, et bien sûr, éviter les surdosages. Parce que, bon, il n'y a aucun risque pour les coraux ou pour la population de l'aquarium. Mais par contre, oui, effectivement, on risque d'avoir, s'il y a surdosage, des écumeurs qui débordent. Après, ça peut être aussi un problème de réglage de l'écumeur qui écume peut-être un peu trop. Tout ça, c'est Ouais, à trop prendre en clair. compte. Oui. Ouais, Et oui. parce qu'il y en Et a plein surtout, qu'on avait vu. Vas-y, Bruno, je t'écoute. ouais, surtout ce que j'ai, moi, tu vois, bah, t'as vu mon bac, moi j'ai un 750 litres. Là, je mets du Coravit et du Reef Booster en même temps, mais pas la totalité des ampoules qui sont notées sur la boîte. Pourtant, moi, j'ai un bac qui est fortement peuplé en coraux. Il faut quand même aussi adapter un petit peu ça. C'est de la nourriture. Alors, on va pas casser autant d'ampoules. Ce qui est marqué, la posologie, c'est marqué, c'est indicatif. Si tu as beaucoup de coraux, que ce soit du mou, du LPS, tes euphilia, ils vont consommer plus que les scolymia, les machins. Il y a beaucoup de coraux qui vont se nourrir un petit peu avant. Un bac d'acropora se nourrira peut-être un petit peu moins vite que si tu as du scolymia, du cataraphylla, des choses comme ça, Ouais, qui sont plus DLPS. absorbeurs, voire des bénitiers qui sont un peu plus filtreurs, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment aussi adapter le nombre d'ampoules à la population de coraux qu'il peut y avoir dans le bac. Et moi, en règle générale, tu vois, comme je suis sur la route toute la semaine, comme certains peuvent le savoir, je casse les ampoules le vendredi quand je suis à la maison. Et tu vois, l'écumeur, je la rallume soit le samedi dans l'après-midi, soit quand je vois que l'eau est encore un petit peu pas complètement claire, qu'il reste du produit, je pousse le rallumage de l'écumeur le dimanche matin. C'est pas parce qu'on va arrêter d'écumer 24, 36 heures qu'il y a un risque pour le milieu. Le milieu, s'il est bien équilibré, il n'y a aucun risque avec ces produits-là, quoi. Donc même si on le rallume au bout de 36 heures, l'écumeur, il va surécumer un peu, on vide le premier bocal et puis après, il va reprendre son rodage classiquement en fonction des marques d'écumeur. Il se peut que ça écume plus que sur d'autres. Alors après, ce que les Ouais. gens peuvent faire aussi, bon là, Bruno, lui, utilise ce protocole parce que ben, il a fait l'expérience que ça fonctionnait bien pour son bac. Ce que les gens peuvent faire aussi, c'est plutôt que d'introduire le Coral Vitz et le Reef Booster en même temps, c'est de les alterner. De les Ah, alterner. OK. Parce que effectivement, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude vraiment de savoir combien d'ampoules on met, qu'est-ce qui est le mieux pour son bac, en fait, ça c'est que l'empirisme qui va le dire au bout d'un moment. Il vaut mieux peut-être alterner pour laisser le temps au bac d'absorber les différents produits. Ça peut être aussi une solution. Et c'est quoi la différence entre les deux? Entre le Reef Booster et le Coral Vitz? Oui. Alors, le Reef Booster, pour schématiser, c'est un mélange d'acide gras, essentiel pour les coraux, entre autres. Le Coral Vitz, comme son nom l'indique, c'est un mélange de vitamines. Oui. Donc, la cible nutritionnelle n'est pas la même. C'est-à-dire D'accord, ouais, que donc. l'acide gras, on va considérer que c'est vraiment de la nourriture. D'ailleurs, si les gens peuvent s'amuser à le faire, ça, c'est le soir quand ils vont casser l'ampoule de Reef Booster, c'est d'observer les coraux. Et généralement, on voit très bien avec le Reef Booster les polypes qui se déploient. Donc ça, c'est
ça peut être vraiment assimilé à de la nourriture. Le choral vite, c'est schématique ce que je dis là. Attention, c'est juste pour fixer les idées. Hein. Ouais. C'est l'outil de la nourriture, mais on va plus le considérer comme un supplément nutritionnel, en gros. C'est quand même très important pour les coraux d'avoir des vitamines. Ils sont aussi importants l'un que l'autre, les produits, mais si on devait fixer les idées, ça serait plus comme ça. C'est un peu comme pour nous. Nous, pour construire nos tissus, on a besoin de gras. Alors, il n'en faut pas trop, mais on a besoin de gras. Les vitamines, on en a besoin aussi, mais un petit peu moins. Donc, c'est très important pour le métabolisme d'avoir des vitamines. C'est pour ça que que ce soit pour les coraux ou les êtres humains, c'est pareil. Il ne faut surtout pas avoir de carence vitaminée, parce que là, on peut avoir de gros problèmes. Mais ce sont deux cibles nutritionnelles différentes. D'accord, ouais, Et du coup, c'est bien d'aller. chimiquement parlant, ce sont vraiment des produits totalement différents. D'accord, ouais, C'est c'est pour ça que vraiment je suis là différent. Donc, aujourd'hui. ouais, d'alterner, toi, c'est parce que tu es toujours sur la route, donc tu n'as pas le temps, mais les gens qui sont chez eux tous les jours, mais qui peuvent alterner, ce ne sont pas le problème que tu as, quoi. Ouais, ça, c'était intéressant, hein. Alors, ça, tu viens de le dire, parce qu'on a déjà vu, pourquoi vos produits sont conditionnés en ampoule? Mais ça, vous avez déjà Eh répondu bien, à en fait, ça tout à l'heure. Ouais. alors, il y a l'aspect Il faut en rappeler. conservation, il y a l'aspect conservation, il y a l'aspect efficacité qui permet de Ça, c'est bon. conserver l'efficacité longtemps. L'ampoule, elle est en verre, donc elle est totalement recyclable. C'est important d'un point de vue, Ouais. on va dire, recyclage. Il y a aussi l'avantage, c'est que, étant donné qu'elle est pré-dosée, les gens n'ont plus à se casser la tête, à dire, mais combien il faut que je rajoute, etc. Ils adaptent l'ampoule à leur taille d'aquarium et ils cassent leur ampoule et ça se fait tout seul. Ils n'ont plus à se poser la question. C'est très facile Ah ouais, d'utilisation, en fait. ça. C'est important, quoi. Ouais, ça c'est Parce que ça, en fin de vraiment compte, bien pour ça. Ouais. voilà, c'est Comme pré-dosé. Voilà, comme l'ampoule, elle est pré-dosée, en plus tu la casses, tu la mets en entier. Tu sais, quand tu as une bouteille, tu l'ouvres, forcément, tu as de l'oxydation qui va se faire avec les apports d'oxygène, tout ça. Au bout d'un moment, avec les différences de température, ton produit peut s'altérer. Parce que là, tu n'as aucune altération possible, puisque de toute façon, tu t'en sers d'une ampoule en une fois, tu ne vas pas en remettre un petit peu après, tu peux la mettre en entier, et c'est pour ça qu'il y a des dosages un petit peu différents au derrière. Et voilà, c'est vraiment ce côté-là, l'ampoule, c'est le côté facile, pratique, et le problème, pas d'altération du produit. Donc en Ouais, c'est fait, vrai que c'est super. Ouais. les gens qui pensent que les produits Prodibio sont compliqués, en fait, c'est totalement l'inverse, ils sont extrêmement simples d'utilisation. Parce que du fait que ce sont des monodoses, à partir du moment où c'est adapté à la taille de l'aquarium, on n'a plus à se poser de questions. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'on voit tout le temps sur le groupe, soit d'autres produits, les gens à chaque fois ils te marquent, ils te renvoient la photo du produit et te demandent les doses. Alors pourtant il y a même les notices et tout ça, mais ils sont toujours perdus, hein, surtout les débutants ou et ça revient toujours constamment les dosages et des mêmes produits, hein. Tandis que là c'est vrai que il n'y a pas à se tromper quoi. Non, tout à fait. Donc ça, hop, c'était fait. Je vais retrouver qu'est-ce que j'avais. C'est bien parce qu'on va prendre plusieurs questions en même temps, comme ça tu vas pouvoir enlever tes papiers. Bah ouais, c'est ça, tu vois, je suis en train de faire en même temps. Tu peux faire ton Ouais, bah, tri. ouais, est-ce que du coup, on avait parlé aussi, le SAP Prodibio est-il prévu à la commercialisation? Il est commercialisé, l'argonite, elle est Il déjà en commercialisé. est dur? Ouais. Ouais, il est dur. Je sais pas Voilà. pourquoi, j'avais même pas, oui, c'était. Ouais, t'as un Jean-Baptiste qui m'avait demandé ça. Donc c'est déjà commercialisé, on le trouve sur le site, hein, ou même en VPC, ou un peu partout, quoi. Alors, attends, je vais Il y a pas plein rechercher. Du magasins coup, là ça, j'ai sur lequel ça enlevé. commence à être implanté. Chez les indépendants, ça commence à être implanté un petit peu à droite à gauche. Ouais, t'as déjà des boutiques où tu l'as mis déjà Ouais. Ouais. Ça commence à arriver doucement. Alors, on me demande, est-il nécessaire de délayer Biodigest ou autre produit Prodibio avec l'eau de l'aquarium? Alors, ça, j'avais déjà vu ça aussi. C'est revenu pas mal de fois sur le De forum, le ça. déliminer, non, il n'y a pas besoin de De le délier, non, diluer avant. plutôt. Ouais, Non, ça sert à non, non, rien, ce que pas du j'ai tout. vu. Ouais. Parce que du Alors, coup, j'ai vu ça les aussi, ça ampoules revenait sont. souvent. Non, 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 Ouais. non. Les ampoules sont percutées directement dans l'eau du bac. Hein.
Ouais. En Parce que sueur je de l'ai vu, sylvain, justement. au niveau de la filtration, on casse l'ampoule et c'est terminé. Mais sur une pompe de brassage, nickel. Voilà, par exemple. Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que ça revenait souvent en disant que c'était Ouais, meilleur. J'ai ouais. vu c'est des choses comme ça, mais bon, c'est des trucs sur Facebook, quoi. Non, mais Non, ok, sincèrement, vaut mieux les percuter que les mecs au-dessus d'une pompe de brassage, c'est nickel. quels produits bio sont recommandés pour le démarrage d'un aquarium? Ouais. Le produit qui s'appelle Startup. On doit peut-être en avoir par là. Juste là. Voilà. En start-up dedans, tu as deux ampoules, Ouais. Ouais. deux types d'ampoules. Et ça, c'est. Donc là, il y a le Ça, c'est un kit. Biodigeste, donc les Ça, c'est un bactéries. kit, en fait, voilà. Voilà. Ouais. Donc là, vous avez le biodigeste, les bactéries, et là, vous avez le conditionneur. Conditionneur qui. C'est ce qu'on Top appelle du amour. stop-amo. En fait, ce produit va Ouais. servir à piéger l'ammonia et à accélérer le cycle de l'azote. Donc à éviter les montées de D'accord. nitrite si Donc en fait, s'il peut y en avoir. en L'avantage phase de d'utiliser démarrage. les deux en même temps, il faut utiliser les deux en même temps. Hein. Parce que souvent, il y a des gens qui nous disent, mais je ne comprends pas, ça n'a pas marché. C'est les deux à Les utiliser deux. simultanément, les bactéries et le stop-amo. Donc en En même utilisant les temps. deux, on n'a pas de pic de nitrite. Donc en fait, on peut D'accord. introduire très rapidement les premiers poissons dans le bac. Et ça, par exemple, quand on a des enfants qui ne comprennent pas que ben, il faut attendre un mois pour que l'aquarium soit stylé, ça, au bout de 24 heures, mettons, on peut introduire les premiers poissons. Mais j'avais utilisé ça, c'était Jellyfish, c'était Mathieu de Jellyfish Concept qui m'avait conseillé, qui conseille ça sur son site pour ses méduses, pour le démarrage quand Ouais, même, tout à parce fait. que c'est Tout avec à fait. le. Et c'est vrai que c'était pas mal, et moi je l'utilisais. Bon, après c'est des méduses, mais pas eu de soucis, c'était impeccable, hein. J'ai mis l'eau, j'ai Non, mis les ça trucs, fonctionne très bien, ça. ouais, le kit, Cette et en plus c'était. combinaison-là fonctionne. Ouais, parce qu'en La plus il y a un kit nano combinaison aussi. fonctionne. Oui, Ouais. tout à fait. Il y a le Startup Nano. Tout à fait. Tu l'as en deux, quatre Ouais. ampoules. De Ouais, celle c'est du ça. blister. Ouais. Et après, je pense qu'il y en a aussi des Voilà. plus gros pour les plus gros bacs, ou après, ça peut s'additionner aussi à Ça. ce moment-là. Ouais. Exact. Ouais. De toute façon, après, on a des D'accord. boîtes de 6, 12, 30 ampoules. Ouais. Alors, ce qu'il faut Ouais, savoir il y a de aussi, quoi faire, la quoi. plupart des produits. Pardon? Ouais, il y a de quoi faire déjà, avec 12 ampoules. Ouais. Il y a, non seulement on peut cumuler, mais il n'y a pas de risque de surdosage. Ouais. Par contre, ça sert à rien de surdoser aussi, je suppose. Mais ça ne sert à Non rien de surdoser. Voilà, exactement. Mais si jamais personne n'y se trompe, il n'y a pas de risque non plus. Enfin, Exactement. s'il casse une ampoule en plus, ça va pas mieux au milieu. Ça, Ouais. Attends, je regarde en même temps s'il y a des questions. Mettez des questions hein, si vous voulez en commentaire, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'avais comme question? C'est en même temps au fur et à mesure. Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser Biodigest tous les 15 jours? Ah, la fameuse question. Eh ben, moi je vais vous. Alors la réponse que je fais tout le temps dans ce cas de figure-là, un aquarium, c'est un milieu fermé. Donc, Ouais. il est important d'avoir une biodiversité bactérienne équilibrée. Si on n'a pas les bonnes bactéries en qualité ou en quantité suffisante, on risque d'avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on aura des problèmes, mais statistiquement, il est fort probable que l'on en ait. C'est exactement comme nous, être humain, la flore intestinale est extrêmement importante. S'il y a un déséquilibre, on va avoir des problèmes. Donc, quand on lance un aquarium, on lui apporte les bonnes bactéries en quantité suffisante, mais ensuite, ces bactéries, elles ont une espérance de vie, comme tout être vivant. Donc, il est important d'en apporter régulièrement, mais de bonne qualité, pour maintenir la bonne biodiversité, pour faire face aux problèmes. Parce que le vrai patron d'un aquarium, ce n'est pas l'aquariophile, ce ne sont pas non plus les poissons, le vrai patron d'un aquarium, ce sont les bactéries. Si on n'a pas les bonnes, et qu'elles ne sont pas en quantité et en qualité suffisante, il va y avoir des problèmes, très probablement. Donc c'est pour ça qu'il est important
tous les 15 jours ou à chaque changement d'eau, d'apporter des bactéries vivantes de bonne qualité et en nombre suffisant et en variété suffisante. Parce que si on ne le fait pas, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais moi, une fois que j'ai mis mes bactéries, que mon aquarium est cyclé, je trouve que ça ne sert à rien de rajouter des bactéries. » Oui, tant que vous n'avez pas de problème. Le problème, c'est que le jour où il y a un déséquilibre entre les souches qui va se créer, là, les problèmes vont commencer. Et ça va très vite. Ouais, il vaut mieux anticiper, quoi. Exactement. Le préventif, c'est toujours mieux que le curatif. Ouais. Ouais, parce que c'est pareil, vous aviez pas aussi. Ouais, excusez-moi. Vas-y, je te laisse finir. Non. Ce qui est important. Excuse-moi. Tu veux dire? Juste pour finir, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un aquarium, encore une fois, comme c'est un milieu clos, il n'aime pas les variations brusques. Il faut être progressif. Et le mieux, ce qui est encore mieux, c'est de maintenir, donc de faire du préventif. Ok. Attends, je regarde. En même temps, j'ai des questions en même temps qui arrivent. Comment savoir? J'ai une question. Comment savoir ce qu'on met vraiment comme bactéries? Car on a les moyens de voir la quantité de bactéries qu'on le met sans savoir si elles sont vivantes. Ah ouais, je comprends pas trop la question. Savoir si comment on fait pour connaître le nombre de bactéries qu'il y a dans l'eau de son aquarium. Quoi. Mais ça, ouais, par un microscope. On peut être équipé avec du matériel de laboratoire. C'est un microscope électronique, des choses comme ça, je pense. Non, il faut être équipé avec un minimum de matériel de laboratoire de microbiologie. Ou bien il faut nous faire confiance. Ça revient plus cher de nous faire confiance. c'est plus simple. À l'œil nu, c'est pas possible. Ouais. Je regardais s'il y avait des questions. Pareil, vous aviez un produit curatif, non? Vous n'avez pas lancé quelque chose en cas de problème? En cas de problème de quoi? Quel problème? Quel type de problème? Quand ton bac, que tu n'as plus de bactéries, que tu n'as plus rien, ou qui commence, que le bac qui commence à tourner mal, et tu sais que monter de nitrate, nitrite, vous n'aviez pas quelque chose pour... Il me semblait avoir vu quelque chose dans ce goût-là. Vous n'aviez pas lancé un protocole, non? Mais en fait, Biodigeste et Bioptime. En fait, le mieux, c'est, et justement, là, on revient à la question précédente, pourquoi rajouter des bactéries tous les 15 jours? Ben, par exemple, c'est pour éviter ce genre de problème. Ouais. Ouais, bah oui, c'est plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Alors tiens, j'avais ça, cette question, alors là, à mon avis. Quel produit recommandez-vous dans un aquarium marin avec des anémones? En nourriture, de toute façon, les acides aminés et les vitamines. L'ensemble. L'ensemble de la gamme eau de mer convient parfaitement s'il y a des anémones. Pensez-vous, tiens, il y a une question qui vient d'arriver. Pensez-vous mettre en place des ampoules microphones? Non. Des ampoules de microphone. Ouais. Non, parce que pour faire vivre de la microphone dans les ampoules, ce sera un peu plus compliqué que les bactéries. Elles ont besoin de beaucoup de choses, vu qu'effectivement, toutes les copépodes, misis, tout ça, c'est de la microphone. Tu ne peux pas faire vivre ça en durée de vie. C'est ça, la durée de vie serait complètement ridicule. Ouais, tu mettrais les trucs, ce serait à moitié mort. Ça arrive. Là, par contre, les variations de température, du stockage, des choses comme ça, c'est des êtres complètement. C'est du vivant complet. Je n'ai pas qu'une bactérie, c'est pas vivant, mais. Là, c'est vraiment des mini-crevettes, des choses comme ça, donc on ne va pas enfermer du plancton comme ça. Ce sont des êtres beaucoup plus complexes à maintenir vivants. Quand tu vois dans les petits sachets, tu vois que même quand tu les achètes, toi, il n'y a pas une durée de vie longtemps. Il faut vite les mettre dans le bac. Sinon, après, tu pollues plutôt qu'autre chose. Exactement. C'est ça. Ouvre une bouteille de plancton qui n'est pas fraîche, tu vois l'odeur que ça te donne, tu as envie de bien vomir dessus. Ouais, pareil. Est-ce que Biodigest peut faire baisser les nitrates? Oui. En fait, il y contribue. Parce que les bactéries vont absorber les nitrates dans leur membrane, en fait, grosso modo schématiquement, et une fois qu'elles vont mourir, en fin de compte, elles vont l'emmener avec elles et elles vont être épurées par les tumeurs. Voilà. Ouais. C'est simple. D'où l'importance d'avoir un nombre de remettre des ampoules de bactéries
assez fréquemment. Moi, je dirais que moi, tu vois, plus mes nitrates sont élevés, parce que je suis comme tout le monde, j'ai un peu des poissons qui ont commencé à grossir et je suis un peu surchargé en poissons. On est Ouais, tous comme pareils, beaucoup, ouais. on est toujours là pour en racheter un dernier encore. C'est pas toi que je vais le dire, tu repars souvent avec des petits sachets de poissons, je te connais. Et tu vois, donc le fait de rajouter des ampoules, des fois, moi, tu vois, il y a même des fois, quand j'ajoute des poissons où j'ai un peu trop nourri ou que mon préparateur s'est un peu emballé et que les nitrates sont un peu plus hauts, je vais jusqu'à mettre une ampoule toutes les 2 semaines. Enfin, je ne mets pas 15 jours, j'en mets un peu plus et je force un peu l'écumeur. Je fais des écumes un peu plus dosées, ce qui fait que ça élimine un peu plus de bactéries et du coup, ça fait descendre un petit peu les nitrates. Ouais. Attends, je regarde en même temps. Par contre, quand je mets le corral vite, même éteint une nuit, après, je mets 4 jours à pouvoir remettre mon écumeur. Est-ce normal? C'est un peu long, mais C'est un peu long, oui. ouais. Surtout le Ouais, corral 4 vite, jours, tu mais mets le booster. après. Ouais. Mais surtout que le bac, je le connais, ouais, il est quand même peuplé, le bac en coraux. Donc après, est-ce que c'est surdosé, comme on disait tout à l'heure? Alors, soit c'est surdosé, soit c'est l'écumeur qui est peut-être un petit peu, qui peut être mal réglé. D'accord. Ouais, donc J'ai à beaucoup voir. entendu, je pense. C'est-à-dire que le booster et le corral vite en même temps, c'est un afflux trop important de nourriture. Des fois, même s'il y a beaucoup de coraux, ils n'absorbent pas la nourriture à la même vitesse en fonction des espèces qu'il peut y avoir dans le bac aussi. De toute façon, le truc Donc à retenir, c'est de il les réduit un alterner, peu la quoi. dose. Ouais, Il vaut mieux. ce qu'il fait, c'est qu'il alterne, il réduit un peu les doses, et après il se cale par rapport à ça, et il verra bien que à quel moment son écumeur réagit un peu moins, et ça nourrira quand même correctement les Ouais. coraux. Ouais. Puis à voir si, s'il n'a pas été nourri. Le sable sera-t-il commercialisé prochainement? Bah, ça, tout à l'heure, tu m'as répondu, Bruno, Il c'est est déjà commercialisé. commercialisé. Ouais, il est commercialisé. 94, ça doit être un peu plus tard. Benjamin, je crois que la société, c'est 98. Tac, tac, C'est 98, exact, exact, tout à fait. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit tout à ouais. l'heure, il me semble, non? Ouais, du Oui, coup, oui. ce que j'avais vu, j'ai vu à la baisse de ton nitrate, je Parce qu'on lis. a fêté Et... nos 20 ans l'année dernière. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais. Est-ce que ça marche pour les cyano biodigeste. Qu'est-ce qu'il y a pour les cyano? Le Biodigeste, est-ce que biodigène? ça fonctionne pour les cyano? Alors, Ouais, la biodigeste. cyano. Ça, c'est l'éternel problème. Sortez-nous le produit miracle pour la cyano. Il n'y a pas de produit miracle pour Ouais. lutter contre les cyanos. On sait tous que les cyanos, il n'y a pas une seule cause. Il y a tout un faisceau de causes. Mais les cyanos, comme leur nom l'indique, ce sont des cyanobactéries. Donc, ce sont des bactéries. Le meilleur moyen de lutter contre une bactérie, c'est d'entrer en compétition avec elle, notamment pour l'accès à la nourriture. Donc, ce n'est pas un remède miracle, hein, le biodigeste, Ouais. attention. Hein. Mais ça contribue à lutter contre les cyanos. Encore une fois, rajouter du biodigeste régulièrement dans le bac, ça permet de lutter aussi contre les cyanos. Ce n'est pas Mettre un en gage concurrence. absolu. Voilà, c'est la mise en concurrence. Un des seuls moyens de contrôler des bactéries, dans un aquarium en tout cas, c'est la concurrence à la nourriture, à l'accès à la nourriture. C'est un des seuls moyens D'accord. de pouvoir contrôler les bactéries. C'est pour ça que dans le sel, on a aussi mis des bactéries. Parce que comme ça fait c'est des souches différentes. Donc le biodigeste, plus quand tu fais des changements d'eau avec le sel, tu as des probiotiques. Et pour ceux qui ont de l'aragonite ou du sable, même si ce n'est pas de la marque Prodibio, les bactéries sont commercialisées à part. C'est encore une souche supplémentaire de bactéries. Donc toutes ces souches qu'on va rajouter dans l'aquarium vont entrer en concurrence avec les cyanos. Effectivement, mais plus ces bactéries-là vont coloniser l'aquarium, moins vont laisser de place aux cyanobactéries qui sont un peu invasives et ça va les faire diminuer. Voilà. Ouais, c'est C'est un pareil. De toute façon, moyen de ce ne sera lutter contre jamais. ça. Ouais, Non. voilà. Après, c'est sûr, si le Mais c'est tous bac, les il est produits. complètement. Ouais. C'est ça. Tous les Vas-y. produits anti-cyano, pour les gens qui en ont consommé de toutes les marques possibles et inimaginables, on s'aperçoit que les produits marchent pendant 5, 6, 7, 8, 9 jours et qu'au bout d'un moment, quand le produit il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire fait disparaître parce que il y aura forcément une souche qui va rester quelque part. Il va Ça faire revient. diminuer cette souche-là, mais si cette souche-là, derrière, elle retrouve un milieu pour se redévelopper, eh bien, elle va se redévelopper aussitôt. Et ça sera un cycle sans fin. Parce que, comme on disait, les causes de ces cyanobactéries, on le sait tous, en tant que récifal, il y en a tellement que si on les gère les unes derrière les autres, mais forcément, alors, il y a des moments où, d'ailleurs, on va le voir, des moments où elle va régresser toute seule, la cyano, Oui, tout à fait. et puis disparaître pendant quelques mois.
Et puis après, on ne sait pas pourquoi, pour un manque de maintenance, un changement d'eau qu'on n'a pas fait parce qu'on était faire autre chose pendant ce week-end-là. Et ça va revenir. C'est un peu comme, tu sais, pour ceux qui ont des bacs récifaux, quand on a des asténoïdes, c'est des petites étoiles. Ouais. Des fois, ton bac, il en est pourri pendant quelques mois, et d'un seul coup, ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé à ce moment-là, elles aussi, un milieu favorable à leur développement. Et bien, les cyanos, c'est pareil. Elles ont trouvé un moment, à l'instant T, un moment favorable à leur développement. Et si en plus, on leur laisse le champ ouvert en ne mettant pas, comme on disait, d'autres sources de bactéries que nous, on va mettre, style le biodigeste, style les probiotiques, style les bactéries de sol, eh bien, elles vont forcément se développer un peu plus, quoi. On leur laisse le champ ouvert. Exactement. Ouais, ça c'est bien à savoir. Hein. Ouais. Moi, c'est clair. Mais c'est. Hop, question. Attends, question, les ampoules qu'on rajoute avec le sel, elles servent à quoi exactement? C'est une souche supplémentaire de bactéries qui est là pour augmenter la biodiversité dont je parlais tout à l'heure. Et Oui. plus la biodiversité est importante, mieux on est armé pour faire face aux problèmes. C'est comme quand un être humain, quand l'hiver arrive, prend des probiotiques pour être plus en forme pendant l'hiver. C'est le même concept. D'accord. Attends que je dis en même temps, parce que ouais, on dit souvent de mettre plusieurs souches de bactéries dans un bac en prenant plusieurs marques. Y a-t-il un intérêt? Nos produits ne sont pas incompatibles avec les autres marques et vice-versa. Ouais. Donc, un intérêt, c'est à l'utilisateur de voir si son bac, s'il trouve que son bac est mieux en variant les provenances de souches, tant mieux. Ouais, mais bon, après, vous, tu vois pas vraiment C'est de ça. réel intérêt, quoi. Nous, il y a vraiment beaucoup de souches dans le biodigeste, qui sont complétés aussi par les probiotiques et les sables d'aragonite, enfin les souches, Oui, pardon, t'as expliqué. excusez-moi, les souches de l'aragonite, ça fait vraiment déjà beaucoup de souches. Et certainement que celles de la concurrence seront les mêmes aussi. Hein. Ouais. Depuis Oui. des Oui, années, mais toi, ce j'utilise que Rich tu Boost. penses, Ouais. Excuse-moi, j'ai pas entendu Bruno. de toute façon, il n'y a pas. Il y a un nombre inconsidérable de souches de bactéries, mais celles qui sont utilisées pour la coriophilie, c'est à peu près toutes les mêmes, sauf qu'elles sont présentées des fois sous des façons différentes, quoi. Nous, c'est en ampoule, il y en a d'autres, ça va être en flacon, d'autres, ça va être en poudre, d'autres. Mais là, les bases des souches, grosso modo, c'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de bons retours hein, sur Prodibio. Hein. Je vois sur les groupes, différents groupes, il y a toujours eu des bons retours sur Prodibio, contrairement à d'autres. Des fois, il y a plusieurs marques qui ont des bons retours. Il y en a certaines qui ont des mauvais retours. Mais Prodibio fait partie des bons retours qu'on a hein, sur les groupes. Hein. On fait ce qu'il Depuis faut des pour. années. Ouais, mais c'est bien, mais faut le dire, quoi. C'est vrai qu'on le voit sur les groupes. De toute façon, tout le monde le voit. Hein. Il y a des bons retours. Tu Depuis des sais, années, ouais. Vas-y. ça, avant d'arriver chez Prodibio, il y a plein de gens qui savent où j'étais avant, qui connaissaient Ouais. mon bac avant. Faut savoir que j'utilisais tous les produits de la marque avec laquelle je travaillais avant, sur tout ce qui était Belling, calcium, magnésium, buffer, j'en passe, c'est des meilleurs, le sel y compris. Et j'ajoutais déjà depuis plus de oula, un certain temps, depuis que je connaissais la personne qui était en charge de Prodibio en tant que commercial, que j'ai rencontré un jour sur un salon Animalis. J'ai acheté mes premières bactéries là il y a une dizaine d'années. Et j'ai toujours acheté ces bactéries là. Effectivement, nous, là où j'étais avant, on n'en faisait pas. Mais je mets moi, les bactéries Prodibio et les nourritures, j'en mets depuis 10 ans. Je mets d'autres nourritures pour Corox, ces deux-là aussi, en adjonction de temps en temps. Je change un petit peu parce que je me dis. Parce que moi je suis gourmand et ça se voit des fois pour les gens qui me connaissent. Donc on ne va pas manger tout le temps la même chose. Donc effectivement, quand la vitre rebooter, c'est une nourriture, d'autres fabricants vont faire d'autres nourritures avec d'autres, on va dire, d'autres souches de repas. Hop, bon, ça y est, ça a été dur, mais j'ai retrouvé quoi. Ouais. Ça a été, Ouais, ouais, je sais pas pourquoi ça. C'est la première fois que ça me fait ça, hein, parce que j'ai de la batterie. Ça a carrément coupé le live d'un seul coup. J'invite tout le monde ça à arrive. quitter le groupe, ça peut plus durer. Ouais, du coup, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça qui se passe. Salut, Tcheb. Du coup, je sais même pas où on en était. On avait fini de parler de tout ce qui était cyano et du Des fait de cyanos.
Justement, Ah oui. d'ajouter toutes ces bactéries pour entrer en concurrence avec elles. Et voilà. Tu me demandais Pareil, il y si avait ça quelqu'un. combattait aussi. Effectivement, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et puis j'ai eu une question, c'était Philippe qui demandait, il utilise Reef Booster une fois par mois. Alors je crois que son bac, c'était un Red 660, je crois, il m'a dit, ou j'ai vu 160 70. quelque chose. Ouais, 170. Et il demandait s'il devait passer à 15 jours. Oui, il peut. Ouais, Oui, il peut. c'est bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, bah, je vais reprendre mes questions. Attends, je regardais. Quel est, Vincent, on en a déjà parlé. Alors ça, je connaissais pas, j'avais vu ça. Est-ce Biotrace et BioVert? Oui. C'est quoi? C'est en eau douce, ça, non? Non, c'est C'est l'eau quoi ça? douce, c'est l'eau douce. Ah ouais, c'est vrai, ouais, Biotrace, je en sais plus, pas, plutôt c'est le bioptime. C'est le nutriment pour les bactéries, le Biotrace, mais en eau En douce. eau douce. Et le BioVert, c'est une source de fer, en fait. En D'accord, ouais, bah à pas récipient. mettre quoi. Non, Aucune utilité en pas en récipient. récifage. Pas de fer. Ah, le Attends, BioVert, ouais, il faut j'ai faire pousser le BioVert. eu. Ouais. C'est sûr. Que conseillez-vous en présence de cyano sur un bac de 300 litres avec des changements d'eau et un taux de nitrate de 25 mg? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Alors, faut. ce qui se passe Ouais. certainement dans ce cas-là, alors il faut savoir si c'est un bac qui est beaucoup peuplé ou ce genre de choses-là, mais généralement, quand il y a un taux de nitrate qui est très élevé, c'est qu'on a tendance à nourrir un petit peu trop, on est un peu trop généreux. Ouais. Eh oui, bon, ça, je ne vais pas l'apprendre à la plupart des aquariophiles. Il vaut mieux donner en petite quantité la nourriture plus souvent Plusieurs que une fois. seule fois en grosse quantité. Ça, c'est une erreur. On l'a tous fait, hein. Mais bon, Ouais. il faut éviter de le faire. Il faut faire des changements d'eau réguliers et, toujours pareil, utiliser les bonnes bactéries régulièrement, tous les 15 jours, quand on fait son changement d'eau, remettre des bactéries et éviter de trop nourrir. Ouais, celui-là, pareil, peut-on résoudre le problème de cyano en ajoutant des bactéries? Oui, on l'avait dit tout à l'heure, tu combats On va lutter. avec la concurrence. C'est C'est ça. ça. Je regarde. Infection. Lors d'entraînement avec une infection d'algues d'Herbesia, est-il possible de continuer à utiliser Reef Booster? Oui, ça n'a pas Ah, d'incidence sur l'âme. ça oui, ça aucun rapport. Enfin, il n'y a pas de lien en fait. Le Reef Booster et le oui, coralite n'iront pas nourrir l'algue, donc c'est pour ça que voilà. Ça nourrira bien les coraux, mais ça n'ira pas nourrir l'herbésia ou toutes ces algues-là. Il n'y a pas de risque de prolifération à cause du Reef Booster ou du coralite. Aucun problème. aucun souci. En fait, les algues sont des plantes, comme toutes les Ouais. plantes. Ça a besoin de ce qu'on appelle le tiercé gagnant, nitrate, phosphate, potassium. Les nitrates, les phosphates, le potassium dans une moindre mesure, mais les nitrates et les phosphates, ce sont des produits de dégradation qui viennent généralement d'un surplus de nourriture. Je schématise, hein, D'accord. Ouais. volontairement, mais c'est surtout là qu'il faut chercher la cause. Le Reef Booster, le Coral Vite, tous ces produits-là, ne sont pas des produits qui vont polluer le bac. C'est une source de nourriture au sens général, mais qui ne va pas se dégrader qui n'a pas le même chemin métabolique. Donc, la grosse proportion de nitrate, généralement, c'est qu'on a donné trop de nourriture qui n'est pas consommée par les poissons, qui se dégrade très rapidement et qui est une source de pollution de nitrate très importante. Vous avez le bonjour de Nico et de Mathieu de Jellyfish Concept. Alors on en a parlé justement en plus. Monsieur, bonjour. Ouais, pareil. On se reverra dans pas longtemps pour certains. Ouais. Tu sais, j'avais une question qui est intéressante. Y a-t-il des nouveaux produits qui sont à l'étude sur le marché? Sur le marché ou chez Prodibio? Non, chez Produits Bio, vous avez prévu quelque chose Il y en a de en beaucoup. nouveauté? Oui. Oui, Il y en a travaille de temps en temps à beaucoup. développer les Il y en produits. a Oui. beaucoup.
Ouais, il y en a beaucoup. On a un programme de R&D qui est bien soutenu, oui. On s'en Mais doute pas, ouais. ça, ouais. Après, je ne peux pas en dire plus, malheureusement, Ouais, mais il y oui. a des choses qui vont arriver, quoi. Tout à fait. D'accord, bon, ça c'est bien. Voilà, question, pourquoi vous ne faites pas de la nourriture en bouteille ou en poudre pour les LPS? Enfin, on avait déjà répondu tout à l'heure sur l'autre, là, le premier live qui a été coupé. Y a-t-il une heure de préférence pour mettre le Reef Booster? Le soir. Ouais, le Le soir. soir et couper l'écumeur. Ouais, j'avais oublié. Ouais. De toute façon, il va déborder tout de suite derrière. Oui, si tu veux l'entendre faire blob blob toute la nuit ou faire une soirée mousse dans la défense, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça va faire soirée mousse. Ouais, Ouais, Pierre, tac, c'est ce tac. que je disais, en fonction des marques d'écumeurs, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles rapidement à ce type de nourriture que d'autres. Il y a des écumeurs qui vont mettre plus longtemps à réagir. Tu sais, tous ceux qu'on peut régler nous-mêmes avec les entrées d'air, les entrées d'eau, après il y en a qui Ouais. sont autoréglables, donc ben, forcément c'est du tout ou rien. Donc ça va vraiment l'extinction des couleurs va vraiment dépendre aussi du mode de fonctionnement de celui-ci, quoi. Ouais. Justement, c'est que les écumeurs autoréglables, il n'y a pas de souci, ils ne débordent pas du coup. Ben, si, ça va être Si, quand tu même, vois, ils en plus, n'arrivent pas. tout à fait. Ouais, là, Moi, tu vois, par c'est exemple, trop pour lui, quoi. je peux régler. J'ai le régleur pour la pompe, tout ça. Donc forcément, quand je vois qu'il s'emballe, même après 24 ou 48 heures, je peux modifier les paramètres de l'écumeur, le faire descendre un petit peu pendant quelques heures de plus, tout en le faisant fonctionner. Donc il va épurer aussi un peu de produit. Et après, je peux le remettre à son réglage optimum après, puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles à régler dessus. On a tout ce qu'il faut, on a des contrôleurs sur les pompes. Il y en a qui ont tout ça dessus. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Et du coup, moi, je le contrôle un peu comme ça, le temps que tout soit épuré ou consommé par les cours. Ok. Ouais, moi bah, j'ai fait le tour de mes questions. Attends, je regarde si j'en ai pas oublié. Bien. Tout ce que tu avais Ouais, prévu je sur ta regarde, hein, je suis page, en train de c'est lire. Hein. Ah ouais, mais attends, il m'en reste. bon. Hein. Quels sont les tests effectués pour un nouveau produit Prodibio avant qu'il soit commercialisé? Ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir donner une réponse exhaustive parce que ça fait partie d'un protocole confidentiel. Ouais. Mais il y a forcément une batterie de tests, Il y a toute effectivement. une batterie de tests qui sont faits. Alors, il faut Ouais. savoir que réglementairement parlant, en France, les professionnels de l'aquario ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, heureusement d'ailleurs, comme test, et que donc les contraintes réglementaires sont importantes. Donc on en tient compte pour réaliser les batteries de tests que l'on fait. Alors je peux en citer certains, ça peut être des tests colorimétriques, ça peut être des dosages acido-basiques, ça peut être tout un tas de tests purement chimiques. On peut aussi faire des tests en utilisant des bactéries. Après, pour d'autres tests plus compliqués et plus réglementés, là, je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet. D'accord. Tu as le bonjour de Retsi, de Alexandre Poyon. Oui, c'est mon remplaçant chez Etsy. Bonjour, Alexandre. J'espère que tu vas bien. Vous faites des tests en grandeur nature dans un bac? Alors, ça rejoint la question précédente. Ce Ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on ne peut pas faire n'importe comment de l'expérimentation animale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend un bac avec des poissons à l'intérieur et qu'on teste des produits directement comme ça, sans autre forme de procès sur les poissons, c'est considéré, à juste titre, comme de l'expérimentation animale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement encadré en France. Encore une fois, c'est tant mieux. Donc, nous, on ne procède pas comme ça. On ne fait pas de test, on ne fait pas d'expérimentation animale. On fait toute une autre batterie de tests, des tests, encore une fois, d'analyse chimique, etc. Toute une batterie de tests microbiologiques, mais de l'expérimentation animale à proprement parler directement sur des poissons dans un bac, nous n'en faisons pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire.
chose que les gens, ça peut peut-être choquer hein, les gens, mais nous, chez Prodibio, on respecte la loi et on ne fait pas d'expérimentation animale. Ouais. Et oui, mais, de toute façon, en France, on est exemple, super contrôlé quand même. Oui, mais heureusement d'ailleurs, hein, heureusement. Toi qui vas souvent aux États-Unis, ça va être pareil. Il doit y avoir des contrôles assez drastiques là-bas, non? Ah, c'est encore bloqué. Alors, on ne voit pas, mais... Lui, il est bloqué. Mais... Ah, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est revenu. Oh, ça, c'est un problème de réseau, ça, du coup. C'est que ça a revenu. Ouais, non, les États-Unis, bah, je connais pas... Tu sais, j'ai jamais testé un peu leurs produits qu'ils ont là-bas. Je sais pas du tout ce qu'ils font, quoi. Là, je pourrais pas te répondre là-dessus. Tu sais que les Américains, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein, sur, tu sais, quand tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont interdites en France, qui sont autorisées là-bas. Tu sais, comme les médicaments, même, tu sais, comme un truc tout. Ouais, tu sais, comme les boissons énergisantes. Même à l'époque, bah, pareil, le Tang, le truc tout bête. J'avais ça quand j'étais gamin aux États-Unis. Ça a toujours été. Il est toujours dispo aux États-Unis. Hein. Ça n'a jamais été retiré. Hein, il y a encore. Hein. Donc, toi, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, quand tu vois qui sont pas bloqués pour nous, donc je pense pour les aquariums, ils doivent faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, y a des chances là. C'est vrai, effectivement. Ouais. Là-dessus, je regarde, parce que j'ai des questions, puis sinon après je vais vous libérer, quoi, si ça fait un bout de temps qu'on est dessus, quoi. Ça va? Bonne heure. Ouais. Il y a eu des coupes. Ah, du coup. Ouais, il y a eu la coupure là. J'ai eu une prolongation là. Ouais, bah du coup, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ça, c'est la première fois que ça me fait un truc comme ça, que ça a tout coupé. Ouais. Exemple avec l'hormone de croissance qu'ils mettaient dans leur bac. Alors ça, je sais pas ce qu'il voulait dire, Marc. Ça doit être par rapport ouais, à un truc qui doit peut-être avoir un produit peut-être qu'il connaît, qu'il y avait aux États-Unis. Mais ça me parle pas. Ouais, quoi. Peut-être, ouais. Possible. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, à mon avis, eux, sur les produits, ils sont pas contrôlés. Hein. Je pense qu'ils font un peu. Non, ils sont plus libres. Ouais. Du coup, ouais, je crois que je vais voir s'il y avait des questions, allez-y, hein, c'est le moment ou jamais. Moi, j'ai plus de questions. Je vais envoyer les questions. Comme ça, je vais les poser directement. Sinon, on va stopper là. Si jamais je vois pas de questions qui arrivent. Ce mois, j'en ai pas. Merci François. Tac, tac. Bon non, bah après, aux USA, méthode Papone. Ouais, c'était bien du USA qui parlait. Hein. Méthode, la méthode Papone. Ouais. Je connais pas. Ouais, moi non plus. Je connais pas. Stéphanie. Non, Stéphane. Avec Biodigest, Bioptim obligatoire. Ouais, on l'avait dit, on avait expliqué au début du live. C'est bien. C'est bien de coupler les deux. Après, c'est pas une obligation. On peut très bien utiliser Biodigest une fois que l'aquarium est lancé en phase d'entretien. On peut très bien rajouter du Biodigest, mais comme j'expliquais tout à l'heure, le Bioptim a un effet petit déjeuner important, un effet starter, un effet booster important. C'est mieux de l'utiliser en même temps que le Biodigest. C'est bien d'utiliser les deux en même temps, mais ce n'est pas non plus indispensable. Il paraît que vous mettez ça pour ça. Quand vous mettez le Biodigest et le Bioptim, coupez les cumeurs. Moins longtemps qu'avec le Rive Booster, mais coupez un peu les cumeurs. Ouais, quelques heures. Une heure ou deux, voilà, le temps que. Ouais, que le problème qu'il ne se fasse pas absorber par le par les cumeurs, quoi. Tout à fait. Ah tiens, il y a François, la FDA contrôle énormément. Bah, tu vois, il y a François qui est aux États-Unis. Ouais, lui, il est au courant de ça, François. Il dit non, non, que c'est contrôlé, tu vois. Ouais, il contrôle pas le Tang, hein, par contre. C'est ça. Regarde, ça fait tomber les cheveux dans mon jeu. C'est à toi, François. C'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu pensé à demander à François, lui, il est au courant de tout là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que je me demandais, c'est vrai qu'on voit avec. Ouais, donc c'est la CDA. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein, et je vais vous laisser là. Du coup, je pense qu'on va arrêter là. Vous aviez des trucs à ajouter ou pas, Christophe ou Bruno? Non. Bon, pas particulièrement. Merci, merci à toi. C'était super. Merci à vous. Hein. Ah ouais, j'aimerais bien. Ouais, si ça vous dérange pas. Après, de temps en temps, ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ouais, du coup,
On a fait ça pour parler des produits, c'est vrai que c'est sympa, puis de répondre aux questions des membres, c'est sympa parce qu'il y a tellement de choses sur Facebook fausses que c'est compliqué, quoi. Ça permet d'avoir un accès direct dans un sens comme l'autre, c'est pas mal. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est bien pour ça. Tiens, j'ai une question. Question, vite fait. Quel aquarium public utilise vos produits? Alors, on a Montpellier, Lyon, là, je les cite de mémoire, hein, Montpellier, Lyon, Saint-Malo, Lausanne, il y a Skegness aussi en Angleterre, il y en a un deuxième aussi en Angleterre, mais j'ai oublié le nom. Il y a aussi la ferme aux crocodiles dans la Drôme, là, qui utilise certains de nos produits. Il y a Beauval aussi. Beauval. Qui ont mis un truc en place. Oui. J'ai vu les Beauval. À Beauval. Oui, mais c'est vrai que c'est... Ouais, à Beauval, oui. Ils ont un beau bac à Beauval. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien quand tu vois qu'il y a des... Il y a Saint-Malo aussi, je crois, qui vous a commandé des produits. Alors, ça fait peut-être un moment, mais... J'en oublie sûrement, mais... C'est vrai que c'est un gage de qualité, quoi. Ouais. Oui, puis c'est très intéressant aussi de travailler avec des aquariums publics parce que l'échelle n'est pas la même et ça permet de justement de tester nos produits à des échelles beaucoup plus importantes, quoi. Ah oui, c'est sûr, sur des gros volumes et puis ça permet de tester. Bon, des épicistes qui font de la bouture, des choses comme ça, qui commencent à bosser un peu avec nos sels sur les piscines à coraux. Alors, on a eu quelques anecdotes aussi intéressantes. On avait fait appel à Prodibio pour, je crois que c'était en Corée ou au Japon, pour transporter un banc de sardines. Et de mémoire, c'était impressionnant parce qu'ils avaient stocké le banc de sardines dans un conteneur spécialement aménagé. Et il y a eu sur le banc de sardines entier, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a eu 6 sardines de mortes à l'arrivée, pas plus, sur tout un banc. On a aussi fait appel à nous pour transporter, je crois, si ma mémoire est bonne, ça devait être un requin baleine. Je ne suis plus très sûr là. Mais un gros animal comme ça. Ça s'était très bien passé aussi. Donc oui, les produits sont assez efficace. Hein. Ça, c'est aussi pour nous, c'est aussi un super tremplin publicitaire de travailler avec des aquariums publics. Hein. Oh oui, bien sûr, s'ils travaillent avec vous, c'est qu'ils connaissent les produits, ils savent ce qu'ils mettent, ils vont pas mettre n'importe quoi dans leur bac. Donc c'est vrai que ça prouve la qualité du produit, quoi. T'as le bonjour de Jean-Pierre, Bruno. Pareil, ouais, vous pouvez retrouver. Non, du coup. Ah si, les amis. Excuse-moi, Christophe. Je regarde. Ouais, du coup, vous pouvez retrouver sur le. Vous pouvez les contacter sur le site. Ouais. Du coup, hop, on a fait le tour. Je vais vous laisser ce coup-ci. Je vous remercie, hein, c'était super sympa de venir sur le groupe. Bonne soirée, puis à bientôt. Hein. Merci à toi, merci à tout le monde, et puis à bientôt. Puis on se remet ça, hein, à bientôt. Volontiers, Volontiers. Ouais, ça me fera plaisir. Super. On va bientôt vous voir. merci encore. Hein. bonne soirée, puis désolé pour la coupure. Salut. Bonne soirée à tous. Merci. Désolé pour le petit problème de tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Facebook. Ils m'ont coupé. Il y avait peut-être trop de monde d'un seul coup. Je ne sais pas quoi. Ok, Benjamin, il vous a mis les liens. Donc, on refait ça prochainement. J'essaie de voir si on peut retrouver le live. J'espère qu'il est resté sur Facebook. Sinon, il faudra qu'on en refasse un autre. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je rappelle quand même vite fait que jeudi, il y a le live avec Recife at Home, une vente de coraux en provenance de Floride et d'Australie. Bon, là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée.
Au revoir à tous. Ciao.